Alors, Sonia a sélectionné apparemment différents mets. Oui, mais d'accord. Bon, allons-y. Okay. On lance un premier mets. Un premier mets. Hein? Et puis, il faudra nous dire le nom. Si ça, c'est la loco, c'est la base. OK, la base. Oui, c'est normal, il faut commencer par la base. Il faut commencer par la base. Pour voici. Deuxième mets. Ensuite, ça, c'est... Faut suivre en classe. La Cali. C'est bien, je suis. Ouais, mais avec... La sauce a un nom aussi. Ah, la sauce. Gombo. Ben, c'est copé. Mais bon, OK, gombo, ça passe. Voilà. Deuxième. Et c'est ça. Et troisième plat, pardon. Ça, attends, t'as entendu c'est tout mon verre, hein. Prochain plat. Ça, c'est... Attends, il faut que je me rappelle le son. On souffle pas dans le public, s'il vous plaît. On souffle pas, franchement. Gnomi, elle est... C'est pas Gnomi, elle est. Faut pas faire ça. Non, non. Ça doit se passer. Mais attends, c'est... De bio. Parsi? Non. Enfin, genre... Mais il faut la photo, quand même. Enfin, genre d'onomatopée. Bon, c'est pas grave, on va lui dire, non. Elle est baignée. Oui, mais c'est tellement générique de baigner. C'est tellement générique. Ah, tu vas aujourd'hui à Djamé ou à Vauti, je vais baigner. Ils vont te donner une galette ainsi que... Quel quoi comme baigner? Alors, le nom français, c'est baigner de purée de banane. Mais sinon, c'est... Claclo. Claclo. Non, c'est pas claclo. C'est claclo. C'est quoi? Attends. Donnez la bonne prononciation aux visiteurs de ce pays, s'il vous plaît. Comment on prononce? On dit karakuro. Non. Claclo, c'est mieux. Et comme les animatrices 2.0 d'aujourd'hui... Vu qu'elles aiment prononcer les choses à leur propre sauce, Tu imagines lui, ce soir, il décide d'aller manger dans un resto, il veut goûter ça. Bonjour monsieur, je veux du cracro. Il va dire c'est quoi ça? C'est même pas cracro ce que tu viens de dire, c'est pas ça. C'est claclo, chèque. C'est pas, grave. Prochain. Non, il n'y a pas le prochain. Prochain, stop. Mais... Il faut qu'on règle cette affaire une bonne fois pour toutes. C'est cracro. Bon, essaie de voir. Si c'est chaud. Il faut que tu répètes. Si c'est chaud, tu prononces comme K-A-R-A. K-O-R-O. Karakuro, si c'est chaud. Ça, si c'est chaud, quoi. Sinon, c'est Karakuro. Ça dit, la prononciation est là, c'est la vraie prononciation. Voilà. Ça dit, le but, c'est quoi? Tu vas en dos et puis tu descends en sol. En sol, voilà. Non, vas-y, ça va. C'est bon, allez, on y va, madame Claclo, allez-y. Donc, après le Claclo, prochain. Ça, c'est. J'ai entendu tous les Ivoiriens faire un. Ça, c'est du crabe? Non, je parle du plat. Oui. Ah, le plat? Oui, c'est du crabe là-dedans. C'est là. Ah, c'est le truc du pêcheur. Non, c'est foutou sauce graine. C'est pas la soupe du pêcheur. C'est pas la soupe du pêcheur. Ah, ok. Désolé. Il y a une autre image. Oui, je crois qu'il y a une dernière image. Arrêtez ce massacre. J'en ai marre. Ah, ça là, si il n'a pas trouvé. Forcé. Mais ça c'est du foufou. Non. Ça, il peut. Pourquoi c'est ça qu'il trouverait facilement? Je sais pas. Je me suis dit que. C'est l'avant-dernier meilleur. C'est l'avant-dernier. Ouais. Parce que je me dis que c'est peut-être un peu typique de. Oui, c'est un peu de chez eux. Et puis je me dis que. Oui. Et la sauce. Et puis je me dis, connaissant son guide, peut-être que le guide... C'est de la pâte d'arachide, non? Ouais, je vois bien, un parce peu. Que... Ouais, de sauce arachide da, qu'on mange avec du thon. Ouais, vous avez un nom que vous donnez à ça c'est en France? C'est ça, da, non? En France. Prochain repas en France. C'est ça, vous appelez ça comment? Comment les Maliens appellent ça? C'est un dessert, c'est un goûter. C'est un goûter. Alors pour ça, enfants. C'est... Je peux te mettre sur la voie. C'est de quoi? C'est de deux de l'os. Non, non, attends, il a dit un truc, là. Ça, c'est quoi? Des churros? C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Okay. Mais on appelle ça cré-cré. Faut pas me dire que c'est pas ça. Cré-cré.